Un week-end terminé après le match rugby, foot, U19. Et là, on attaque le scalpage. Donc, dans un premier temps, on détoure le tour du terrain pour éviter que, quand on scalpe le terrain, d'abîmer le synthétique. Il y a une équipe qui démonte les arroseurs. Arroseur nettoyé. Là, le scalpage va être effectué en deux passes. Donc là, il y a une première couche. Et là, il reste de l'herbe. Donc là, après, il y a une deuxième passe de fête. Le scalpage va durer 3 jours. Au bout des 3 jours, il va y avoir un sablage effectué à raison de 120 tonnes de sable. Donc après le sablage, il va y avoir un décompactage et le semis se fera lundi. Le but, c'est que la pelouse soit prête pour début août. Voilà pour la reprise pour les matchs amicaux.